Get ready, get ready. C'est temps pour apprendre quelques petits anglais simp. It's time to learn some simple English. Bonsoir. Plaisir de vous retrouver encore une fois. Jeudi, nous venons parler de, premièrement, voix active et puis voix passive. Là, nous parlons de voix active là, nous voulons parler de performeur, nous voulons parler de monde qui a fait action. Nous voulons parler de ça qui a fait là, monde qui a fait là. C'est ça qui voit active là. Pourtant, voix passive là, lui-même, c'est ça qui fait là. Pas qui est le fait. C'est ça qui voit passive là. Exemple, moi te dit aller. I told him to go. I told him to go. I told him to go. Moi te dit aller. Qu'est-ce qui te dit aller? Moi-même. Qu'est-ce qui a fait action? Moi-même. Donc là nous en voit active. Parce que I, c'est sujet, hein? C'est le sujet qui fait l'action. Donc, nous en voix active. I told him to leave. I told him to go. Voix active. Très clair. Kounia, si c'est moi-même qui t'ai dit aller, moi t'avais expliqué ça. Laisse ça, il t'a une voix passive. Comment t'as bien? Yo te dim aller. I was told to go. I was told to leave. Yo te dim aller. Yo te dim partir. L'autre petit exemple nous gagne encore. I eat breakfast every morning. I eat breakfast every morning. Every morning, breakfast is eaten by me. Every morning, breakfast is eaten by me. Là, c'est breakfast qui subit action. Déjeuner subit action. Laisse ça nous en voit passive. Mais si c'est moi-même sujet qui fait action, nous en voit active. Parce que moi dis, moi prends déjeuner chaque matin. I eat breakfast every morning. Là, nous en voit active. C'est le sujet qui fait l'action. L'inconnu, c'est breakfast qui subit action. Breakfast is eaten by me every morning. Laisse breakfast déjeuner subit action, laisse en voix passive. Très clair, j'espère que c'est très clair. Si il y a quelques petits bails qui pas fin trop clair, nous ca reler dans téléphone, n'a bail plus explication. Avant que nous partir, je vous dis nous gain deux petites expressions, nous gain deux petits mots. Nous avons dit deux expressions idiomatiques. Qui c'est premièrement? Nutmeg. Nutmeg. Nutmeg qui veut dire fanjam. Fanjam. Nutmeg, fanjam. Deuxième expression idiomatique là, bien sûr. The ball went out of play. Ballon sorti dehors. The ball went out of play. The ball went out of play. The ball went out of play. Take care of yourself. I love you so much, guys. We'll be here for you. God bless you. Bye. Numéro de téléphone nous c'est 44 44 20 57 37 42 96 54. Ma reprend 44 44 20 57 37 42 96 54. Maintenant appelle-nous et puis nous on parle plus. God bless you. I love you guys. Take care of yourself. Bye.